Bonsoir à toutes et à tous, c'est Galius, on se retrouve avec Sycomore aujourd'hui, salut. Exactement, et donc si vous avez remarqué, on a toujours les mêmes vêtements, c'est pas qu'on s'est pas lavé depuis 4 semaines, hein, c'est qu'on est tourné à la suite. J'espère que vous allez bien. Alors, vous avez dû voir dans l'épisode précédent, il y a eu des pertes. Vous n'êtes pas Ouais, sans savoir. malheureusement. Et donc, on a ajouté 3 nouveaux à la team, je te laisse commencer. Alors, donc, les nouveaux Pokémon sont Roimanta pour ma part. Qui était en couple avec... Raichu, non Dunphan Route 4. Celle de gauche, 4, les herbes à gauche. Foudre. Ok, donc avec Raichu. Avec Raichu, voilà. Il est relax de nature, un peu vaniteux. Enfin bon, c'est ce qui est écrit, ça. Kuba, séisme, surf, laser, glace. Et il a pris... Oh, Kuba en commun. Ouais, mais c'est pas top. Enfin, je l'ai pris pour la priorité. Ouais, ouais. Voilà. Mais la séisme, surf, laser, glace. Donc ça passe. Ça. Et toi? Alors, pour ma part, Kuba, vol, surpuissance, point ombre, il a corps ardent. Et de type acier vol. Pas mal. Pas mal le type, ouais. Double type. Ensuite, j'ai Ténéfix, qui est donc TNT, avec une hausse en attaque spéciale. J'ai même pas fait gaffe qu'il était meilleur en attaque spéciale. Il baisse en défense. Il a anti-bruit, protège de toutes les capacités sonores. Il a plaquage, cage éclair, ombre portée et tonnerre. Alors, encore une attaque en commun. feuille magique, plaquage, donc cyclone et léchouille. Il a joli sourire, donc c'est pas ouf. Et il est du type roche-sol, ce qui est pas ouf du tout. Ouais, soit 4 à la pointe, soit 4 à l'eau. J'ai peur que l'onné ne survive. Enfin, je donne une petite expérience de vie à l'onné. Ouais. Et enfin... Draculol, route 9. Joli sourire aussi, décidément. Il n'y a que des. En plus, c'est que des femelles qui ont un sourire. Donc, mais belle séductrice. Donc, avec une nature joviale. Mégacorne, forte pomme, point glace et fauchage qu'il a appris. Donc, ça, c'est plutôt cool pour les captures. Ouais, moi, il a corps ardent, donc lanterne. Mm-hmm. Il a bourdon, luminocanon, bulle d'eau et rafale feu. Bon, ouais, c'est que dans le spécial, parce qu'il est quand même largement meilleur en spécial. Enfin, on le voit, il a 102 en attaque spéciale et 72 en attaque. Et puis, que dire de plus? Bah, c'est tout, il a une hausse en défense et une baisse en vitesse. Mec! Quoi? J'ai trouvé la CT29. Celle en haut, c'est ça? Non, tu continues à droite. À droite du centre Pokémon. De Safranière. Ah, de Safranière. Au départ, j'allais dire, mec, j'ai trouvé un Megacan parce qu'il a une tête de pêcheur, mais non. Alors, et la CT29 pour moi est. Vent mauvais. Pas mal. C'est pas mauvais, justement. C'est pas mauvais. Et ça fera un stab, je vais l'apprendre à. Attends, il est pas apte. Il est pas apte. Optique est pas apte à apprendre vent violent alors que c'est un stab. Attends, il est où le pêcheur? Tu vois le centre Pokémon de Safrania? Oui, je crois. Attends. Ouais. Bah, tu continues à droite. Et à un moment, tu as. Ah oui, c'est Psycho normalement, oui, exact. Mm. Ah oui, le pêcheur, qu'est-ce qu'il fout là? Exactement, j'ai trop cru que ça allait être la méga, mais non. Tu sais déjà, là, c'était là quand on dit Psycho. Il me semblait qu'avant c'était. Non, j'ai une bêtise. Alors, sac. Et pour ma part, c'était 29. Dracochoc, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal, avec côté CT, il s'en sort bien. Bah tant mieux. Oui. Alors direction l'arène. Ah ouais, nous on perd pas de temps, d'ailleurs on a la Sylphe-Sarl ici, le bureau de la Sylphe-Sarl, S-A-R-L en fait, c'est pas Sarl, c'est S-A-R-L on dit. Donc tu dis que l'autre il est parti dans la grotte, je sais pas quoi. Ouais, la grotte où on a eu, j'ai eu Forotress. Donc voilà. Okay. Tu es la force de tous ceux que tu as vaincu, ma compagne. Ouais, bah ouais. J'espère. Ouais. Dracos. On a fait le même. On n'a pas trop le choix au début. Oui, au début. Corraillon. Ah non, 45, ça part déjà haut. Surf. Il baisse la tête. Riposte. Oh mon dieu. Bon, ça va, c'est. On va rester sur du spécial. Ah, c'est super efficace, Megacorn. Est-ce que ça suffit? Non. Ah, statique encore. Junko, tiens donc. Comment vas-tu, Junko? Je sais quel type Roimanta. C'est vrai que j'ai pas dit les types, en fait. Alors, Roimanta type O, TNT type électrique,
Et lanterne type sol. Donc je suis type eau, donc surf va faire un peu plus mal. Il fait un vœu, Junko. Ça veut dire qu'il sent, sent la menace arriver. Je sais pas quelle menace il sent arriver, mais... Il la sent. Il la sent. En pleurs. 6. Non, ça va. Ça va, ça va. La serre glace, est-ce que ça le tue, ça? Ouais, super efficace, ça le tue. Oh non! Le vœu se réalise. Quand t'as rebours du requiem, tombe à 3. Oh, il refait le vœu. Normalement, il mourra avant. Ça pose la grêle. Et on va faire... J'ai amené foudre. On fait coup bas, tiens. Oh non, mais cela échoue. Il a refait vœu. Sérieux? Ouais. D'affilée? Deux fois d'affilée? Ouais. Ou il spam? Ouais, deux fois d'affilée. Et là, quand je le fais pas, il fait en pleurs. Ouais, il est bête, ouais. Bon, normalement, il est KO. C'est bon. Allez, on essaie. On va essayer un petit point. 2005 points. Ah, il est de type spectre, parfait. Allez, on va j'ai visé juste. Bien vu. On va s'amuser un peu avec foudre. Quillfish, Norbert. Norbert, Quillfish, je l'ai pas dit. Non, je l'ai pas déjà eu. Non, je crois. Ah, quoique. Non, c'était à. Non, c'était... Ouais, c'était à la Kazam, mais qui avait ce... les types eau et poison en fait. Putain, il fait croissance. Doucement, doucement. Oh yes, bon ça, c'est bon ça, Roi Manta. Bon. Très très bon, Roi Manta. Starry. Starry, on va faire surf. Ah. J'ai pas pu l'éviter. Les pouvoirs aussi sont cœur du cœur. Ah, oh, un cœur fondant. Pareil, cool. Ah, oh, tu vas me donner faim, j'ai faim en plus. Ouais, moi aussi, j'ai trop faim. Bah oui, toi, t'as pas mangé. Non, j'ai pas mangé. Je suis arrivé par où? Voilà, on va revenir par là, je sais pas. C'est pas très efficace. Soit tu es probablement ténèbres. Ah, je veux pas rester à... efficace. Ouh. On va changer, on va amener Roca. J'ai un peu peur, bon il est niveau 42 donc ça devrait... Tu m'étonnes. Grondement, oh là là là, il augmente son attaque. on va faire... Attention. Je sais pas, moi, Crofeu, allez. Grondement, il a plus 2. Il a pas début calme. Ça. Allez, brûle-le, oh oh, coup critique. Ça, ça pue. Oh, je crois qu'on l'a perdu. Quoi? Ah non, attends. Ah non, c'est bon. Parce qu'en fait, il a fait 20 points. Mais il m'a rien enlevé, ouais. Alors que je suis glace, hein, c'est super efficace. Sérieux? Ah, j'ai fait 2 coups critiques d'affilée. Ouais. Tu l'as tué? Ouais. Ouf. Je sais pas, si ça se trouve, il est début calme. Non, je pense pas. Je sais pas. C'était bizarre quand même qu'il fasse si peu de dégâts. T'as plus 2 vampire points. Un Gigas doit avoir une bonne attaque. Oui, oui, il a une excellente attaque, le Gigas. Donc, je sais pas trop. Oh non, il a balance. Ah, mais j'ai inconscient! Ah, bah voilà, ça explique tout. Où ai-je la tête? Et oui! Sans le vouloir, il envoie son inconscient. C'est ça! Sans le vouloir. Dit comme ça, ça fait très Freud. Ouais. Intimidation de Togekiss. Ouais, ça m'arrange pas des masses. On va envoyer TNT, allez. On va voir l'efficacité de la TNT sur Togekiss. Amnésie. Oh. Je vais ramener mon Roca. Je continue comme ça. On va faire cage éclair, tiens. Putain, il arrête pas de faire balance, mais pas bien. Pas bien. Bim! Et voilà, je l'ai eu. Bien joué. Bien wesh. Plaquage. C'est fait. Branette out. Oh, ça fait des dégâts. 900 points d'expérience, donc vous avez vu, l'on est à l'action. Bon, il n'est pas forcément ouf. On va le soigner. On va faire rebond. Mais j'ai plus beaucoup d'hyper potions. Faudrait que j'en rachète. Une fois la reine finie, quand même. On va pas se mentir. C'est pas ouf. 3, maintenant 2 hyper potions. Ouais. Ah oui, non, c'est pas ouf du tout. Putain, il a rien en défense, crâne d'œuf. Mais après, j'ai une guérison de potions max. On va voir. Ouais. Il faut savoir que le dojo était jadis la reine. On fait le même, tiens.
Masco. Je vais faire Crofeu. Moi j'aime bien Crofeu, je reste sur Crofeu. C'est pas efficace. Racorage, j'enlève 40 PV. Mais t'es glace-feu, c'est pas ouf. Enfin, vol sera pas ouf, mais bon, ça va faire ses dégâts. Parfait. Et bien, après évolution, foudre est quand même bien meilleur. Hein. Et puis Pikachu sans la bonne lumière, c'est rien. Puis avec absentéisme, c'est pas ouf. Hein. J'avoue, inatteignable. Alors que là, acier vol, c'est pas mal. Hein. Alors une mémé, on va envoyer. Allez, on tente avec crâne d'œuf, même si je sais que c'est un peu risqué, mais. Crâne d'œuf, c'est malheureusement c'est ça en fait. On a peur, Charcos. Crâne d'œuf. Ouais, il s'appelle comme ça. Quoi? J'arrive jamais à me faire avec qui il est. Il est avec Morpheo. Attends, Morpheo, tu l'as plus? Si, si, je l'ai toujours. Ah, putain, ça me fait peur. Oui, parce que crâne d'œuf, ça me fait penser à Neuneuf. Ouais. Mais Lélus, on l'a perdu. Ouais. Alors, attends, dans Slam. Attends, je suis plus rapide que Smogogo. Oh non. Ah, ça va, il fait Lilliput alors que j'ai point en. Oh non, Avalanche. Oh, ça va, je prends pas masse. C'est bizarre. On va faire vol, adaptabilité, dans slam, Smogo il va le sentir passer. Il peut être bon en attaque mais... Ça va faire mal. Oh, en plus c'est super efficace. Parfait. Oh super. Putain mais avec ça tu te mets tellement bien. Ouais mais bon c'est... Double tu peux tranche. Rouler sur des teams. Ouais ouais hey. Non, c'est sûr. Bah voilà enfin. Le mec il fait deux coups critiques d'affilée. Du coup il est puni par la brûlure de corps ardent. Ça lui apprendra. Oh, acide d'armure le fouineur, zut. Ah. Beau contrat, bien joué. Bien joué, bien joué. On applaudit. On applaudit le fouineur. On est fair play. Mais il est quand même mort. Il est quand même mort. T'as décidément les dresseurs se retournent toujours au moment où. Oui, c'est parce que tu cours. Ouais bah oui. Si tu cours, il se retourne. Si tu cours pas, il se retourne pas. Je l'ai fait celui-là. Ouais, je l'ai fait. J'aimerais rentrer à la maison, s'il vous plaît. Celui-là, je l'ai fait aussi. Je sais qu'il y avait des techniques pour rentrer plus vite, mais je les ai oubliées. Elle est bien faite, en tout cas, la reine. Ouais, elle est très, elle était très bien faite. Moi, j'aime beaucoup. Ouais. Donc là, moi, je progresse. Je ferai pas d'aller-retour. En fait, si... Solar Rock. Pas grave, si j'arrive devant la championne, je peux partir avec le... Ah, celui-là, je sais pas si je l'ai fait. Ouais, je l'ai fait. Allez, Mega Corn qui est super efficace. Ah, oh, ça tue pas. Croc-éclair. Non, ça, je suis juste de type poison. Oh, ça va, ouais. Et point glace. Ah, c'est bon, je suis arrivé devant elle. Moi-même, je vais aller soigner. Ouais, non, je... J'ai trop peu de PV. Okay, allez, c'est parti. C'est parti. Mince, j'ai parlé à Crâne d'œuf. Vendu au poudre. Je me disais, c'est bizarre. Mais tu n'es pas le champion d'arène. Et elle est en train de se dire, mais pourquoi son Pokémon lui parle? Ouais, c'est ça, ouais. Je savais que tu viendrais. J'ai eu une vision il y a 3 ans. Ah bah oui, 3 ans. Tu en as après mon badge, non? Je n'aime pas combattre, mais en tant que champion, je me dois de ne confier mon badge qu'au dresseur qui le mérite. Comme tu insistes, prépare-toi à affronter mes pouvoirs psychiques. Oh la musique, à chaque fois. Ah, oh là là, le méga bracelet. Oh mon dieu. Méga monsieur mime. Oh, Nénupio, ça va. Un a que 3, poids sirène. Un a que 3 ouais. Ah oui. Bon, on va se placer avec dans slam alors. Poids sirène, bon, ça va. Oh, mon Nénupio, il y a moyen que. Nœud d'herbe. Ça va. Non, c'est bon. Vas-y quand même. Allez, on est gourmand, on refait dans slam. Qu'est-ce qui résiste au type. Oh, berceuse. Qu'est-ce qui résiste au type combat? Le type psy. Ah, maman. Le type psy, le type. Le type à côté oh, de toi. Oh, il a turbo. Il a turbo, ah ouais. Ah si, type si, on va faire méga corde. Ah bah oui, je dors. Alors, on va faire vol, allez. Allez. Les nupions d'herbe, ça fait quand même assez mal. Allez, dis-moi que c'est normal. Et vas-y, vas-y, vas-y. Ah, il devrait crever, je pense. Mais oui. Oh. Oh. Mec. Quoi? Il a berceuse. De mauvais rêve. Oh. Genre le hasard. Au moins, ça devrait être vite torché la reine. Hein. 3 Pokémon, ça va aller vite. Hein. Topiqueur en plus, il m'amène. Psycho, aïe. Oh, Topiqueur, il est nul en SP.
Ouais, elle est nulle, allez. J'hésite à faire close combat pour... Non, je le ferai à la fin. Chargeur, ok. Donc ça augmente quoi sur ta défense spéciale? Très bien. Je suis la guérison. Genre Poissian de rêve... Finaise et verseuse. Cette fois-ci, c'est moi qui galère. Ouais, quand on a pas les trucs de boost là, y'a plus personne. Ah, je peux plus faire le mariole. Non, t'as fait quoi? Non, je dis je peux plus faire le mariole. Ah oui. Pas. Bon, allez, je fais close combat, on en finit. Normalement. Ah oh, il est super efficace. Bon, c'est fini, c'est fini. Oh là 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 là, non. Providence. Je t'en fais une omelette, moi, avec crâne d'œuf. Vous avez battu servant, Morgane. En plus, servant, quoi. Évidemment. Évidemment. Ta force est grande. Plus encore que je ne l'avais prévu. Peut-être qu'il est impossible de prédire totalement l'avenir. Persiste. Et au type psy, et au type combat. Et au type psy. Non, et au type insecte, et au type combat. Donc il est vol. On tape le point glace. Non, il est pas vol. Bah, il doit être vol et. Vol et combat. Ah non, mais non. Vol acier. Vol acier. Vol acier. Non, parce que il résiste au type combat. Ah. Vol insecte. Non, mais non. Insecte. Insecte. Insecte combat, peut-être. En tout cas, Fouinette derrière, ça n'affecte pas Fouinette, c'est génial. Ok, Cyclone. Ok, Fouinette est de type spectre. Et il m'amène pinceau. J'ai eu la CT Mégacorne, c'est pas trop mal. Ouais, c'est pas la dégueu. Ok. Type spectre. Hop, sauvegarder. Ouais, non, ça va, enfin, ton côté ça a l'air d'aller aussi. Ouais, ça a pas l'air trop... Pourtant, je le sentais pas... Après, c'est pas fini. Mais je le sentais pas très très bien. Mais... Ouais. Et au final, ça passe. Non, ça passe bien, ça passe bien. Chatouille. Bon, il baisse mon attaque, ma défense de 2 crans. Mais tout va bien. Et tout va bien, voilà. Le Fouinette passe. Il part. Le dernier, le plus dur, et c'était combien de niveaux? Je sais plus, 56 peut-être. 57. Brouabam. Oh 55. Oh. Je switch. Je vais amener Chauve. Ah, c'est moi. C'est Crâne d'œuf. C'est toi, Crâne d'œuf. Stratopercute. Non. Ça va. C'est tendu, c'est tendu. Spam les stratopercutes, pour l'instant ça fait rien. Ah, ça fait rien? Enfin, ça fait rien, c'est un 3 HKO. Mais... Oh, c'est un 3 HKO. 3 hits KO. What? Ok, je peux l'avoir avec Hydrocanon. Il ne rate pas. Non, mais je vais mettre une potion avant. Ok. What? Qu'est-ce qu'il y a? Enfin là je me balade un petit peu et... Enfin je te laisse finir si tu veux. Vas-y. En gros je suis dans la gare, c'est le train magnétique. Et ouais. Ils disent veillez à ce que votre Pokémon se conduise bien et ne lèche pas le visage du passager assis à côté. S'il n'est pas assez bien dressé, veuillez le faire rentrer dans sa Pokéball. Respectez les bonnes manières, rendez le voyage agréable pour tout le monde. Je vais lécher le visage quoi. Ah j'ai loupé les drogues, ok bon tant pis. Et ouais, j'ai amené Draculol. C'est ce que je croyais. Je le voyais venir, ce mist hydrocanon. Enfin, bon, étant donné qu'il spam Strato, ça va. Je suis de type poison. Allez, Megacorn. Ouais, il a que Strato percute, il fait que ça. Comme si, genre, il était Choice Band, enfin, ou Choice Scarf. Mais non, même pas. Et non, il l'a même pas. Hein. Ok, t'es de type roche. Ah, ça tue pas! Oh. Ça ne tue pas la guérison qui va passer. Souviens-toi qu'il peut en avoir 3. Hein. Ouais, non, mais ouais. Allez.
Il est para. Comment? Il est para. Ah, oh, c'est bon ça. Un des fous. Stratopercute. Vol acier, ça devrait aller. Ouais, enfin, il est pas très bon en défense. Hein. En même temps, pour Adam, il est meilleur en attaque spéciale aussi. Donc... Oh là là, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Non, disaster. Je prends pas le risque. Non, non, prends surtout pas de risque. J'ai amené optique, il est de type spectre. Ah bah oui! Stratopercute, voilà. Il va nous montrer ses autres attaques. S'il en a d'autres. Vibre obscur. Taillade. Taillade? Ouais. Ouh, c'est bon. Il est pipi de chat, ça. Il est brûlé en plus. Là, je me suis mis à plus 2, Draco souffle. Il est quel type? Roche. Et un truc qui résiste à l'acide. Demi-tour. Il n'a pas grand-chose pour frapper optique. Bon, mais c'est nickel. On est bien, on est bien. Allez, on y croit, on y croit. On va continuer de se placer. On va se mettre à plus 6 et je pense qu'on va pouvoir achever tranquillement la chose. Yes. Yes, yes, yes. Allez, encore une fois. Draco choc, je la garde pour un peu de drague. Le Draco souffle qui passe. On se met bien, on se met bien. Ça ne passe pas ! Quoi ? Je suis à plus 6, mon gars. C'est qui, c'est foudre ? Non. Et guérison ! Oh non ! Non, c'est optique. Optique. Ah, s'il le brûle pas, je me soigne et je fais un feu follet. Au final, je pense que avoir acheté des hyper potions n'était pas inintelligent. Demi-tour encore. Non, mais il va falloir que je le brûle. On va lui réduire son staying power et on prend le badge. Et dans le prochain épisode, on ira love en ville. Ouais. On ira chasser du fantôme. Yes. Ouais. Route 8, c'est par là en plus. Ah, il meurt toujours. J'ai loupé feu follet. Si j'avais réussi l'hydrocanon. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il est de type feu. Ah, feu qui résiste au dragon. Bah feu dragon. Et non, qui résiste au dragon. Ah non, qui résiste. Bah feu acier. Feu acier, ouais. C'est Itran. En plus il a pas torche heureusement. Mais... T'as un feu acier. Allez, paralyse-le moi. Tu me le paralyses, on n'en parle plus. Ah, c'est chaud. Ah oui, c'est vrai ce truc-là que j'avais jamais réussi à faire, il me semble. Le truc de la peau. Non ! Qu'est-ce que ça fait ? Encore une guérison. Ça fait combien, la troisième ou quatrième? Trop riche. Je vais en finir. Salut, on dit que tu as perdu ta Pokéboulée préférée. Si je la retrouve, tu me donnes un passe pour le train. Je vais la chercher, tu l'as perdue en allant à Carmé-sur-Mer. Pardon, tu ne veux pas que je prenne une décision pour toi? Mais j'ai si peur, est-ce qu'il te la trouve? C'est vrai, la Poképoupée, il faudrait que je la trouve. Ouais, mais c'est un mec qui te la donne. Dans le centre Pokémon, il me semble. De Carmé-sur-Mer. Ah. Putain, c'est incroyable ça, le nombre de guérisons, mon gars. Ouais, ouais, non, c'est sûr, ils exagèrent. C'est d'une exagération exagérante. Alors, Carmé-sur-Mer. Là, j'anticipe le Stratopercute et je vais envoyer Optique qui est dans le rouge également, mais il met pas très bien. Réveil forcé, il a montré son autre attaque, du coup là il va faire une attaque
Comment ça s'appelle? Une attaque insecte. Et en fait, il y a soit des attaques combat, soit des attaques insectes. Ah. Début tour, voilà, il a tapé l'attaque, l'attaque insecte qui est en fois. Oh. En fois 0,25. Et là, derrière, la super power qui défonce mon gars. Même à moins 1, je peux tenir un coup. Hein? On va voir ça. On va voir ça, on va voir ça, on va voir ça, je suis pas sûr. En fait, je suis pas sûr. En fait, je suis pas sûr du tout. Non. Ça passe crème. Voilà la surpuissance. Oui, yes. Monsieur. Yes. C'est fait. En fait, moi, il y a un truc de bug, un truc de malade. Je suis c'est comme si c'était à l'avant-ville. En gros, j'ai pris l'apparence d'un autre personnage. Et le Pokémon qui me suit derrière, c'est un perso. Hein? Je te jure! Moi, je suis à l'avant-ville. Évidemment. Ta force est grande, encore plus que je ne l'avais prévu. Peut-être qu'il est impossible de prédire totalement l'avenir. Bien, tu as mérité ce badge marais. Pourquoi le badge marais? Parce que. C'est une capsule technique. C'est pas pourquoi. Je sais pas, non, c'est vrai. Elle contient échange. Ah, c'était pas ouf comme. Non, non, c'est ce que. Ce que je me disais aussi. Bon, moi, j'ai eu Mega Corn là. C'est pas trop mal. Rafale feu. Pas mal. Enfin. Non. 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 Ça nous a coûté. Ton. Alakazam. Non, c'était Hydroblast. C'était Hydroblast, mais c'est le même délire. Donc, je pense qu'on va se laisser là. Oui, on va se laisser là. C'est le bug des bugs là. C'est la folie. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Un peu plus comme d'habitude, le petit pouce, le petit commentaire. Ouais, c'est compliqué pour moi cette fois-ci, c'est plutôt rare. Mais ouais, le spam rare. De guérison n'était pas forcément marrant, mais on fait avec. Donc voilà. Ouais, c'est ça. Bon bah écoutez, le Nostra a peut-être évolué et quand, pourquoi pas dans le prochain épisode la semaine prochaine. Bah écoutez, voilà, moi je vous propose de passer une bonne soirée. C'est quoi aussi vous propose. Exactement. Et puis, je voulais trouver mon objet, mais je l'ai pas trouvé. C'est un objet caché. Ah. Aide-moi à le trouver, Siko. Non. C'est peut-être la Poképoupée. On a dit au revoir. Oh non. Je veux le trouver. Non. Non, bon, ok, on le trouvera pas. Bon, allez, à la prochaine. Ciao. Salut.